Alors, je m'appelle Olivier Luder, je vis à Saignes-l'Égier, j'ai construit ma maison à côté de celle de mon père et à côté de celle de mon grand-père. J'ai quatre filles qui aiment tout le carnaval, deux font partie de clique, la clique des Breuleux, et deux ont déjà fait Betché. Et puis, bien sûr, j'adore le carnaval. En particulier le Betché, bien sûr, qui fait partie donc du carnaval, et puis. Est très vivant à Saignes-l'Égier. Alors le betché, c'est un charivari nocturne. Était joué dans toutes les fermes, était joué dans toutes les maisons, et puis tout le monde était avisé de la fin du carnaval et du début du carême. Ça a été longtemps que les hommes du village, mais maintenant, comme à Saignes-l'Égier, depuis l'année passée, il y a les femmes qui nous ont rejoints. Et puis, donc, on est habillé de chemises blanches et on arpente tout le village pendant toute la nuit et le lendemain matin. Et on fait du bruit. Et pour faire du bruit, on a des grosses caisses, on a des tambours, on a des scies circulaires qui sont montées sur des manches. Il y en a des petites, il y en a des grandes où il faut être deux, un qui la porte, l'autre qui tape dessus. On a des cloches de vache. On a bien sûr des cornes. Tous ces instruments font que ça fait un bruit de betché. Et puis, on traverse tout le village pendant toute la nuit et on récolte les bouteilles que les gens nous mettent devant la porte pour nous remercier de venir chasser des mauvais esprits autour de leur maison. Ce qui fait la richesse des Franches-Montagnes, chaque village a un petit peu son betché, puis un petit peu ses traditions. Le rythme n'est pas le même au Breuleu, n'est pas le même au Noirmont, n'est pas le même au Bois, n'est pas le même à Saignes-l'Égier. À Saignes-l'Égier, notre rythme, il est repris dans les villages avoisinants. Il est repris à Murio, au Pommerat, au Beaumont et à Montfaucon. Donc c'est les villages qui avoisinent Saignes-l'Égier et qui viennent nous retrouver à midi sur la place du village à Saignes-l'Égier pour le bouquet final du betché. Et tout le monde joue betché, tout le monde essaye de le jouer juste, et puis on entre presque en transe avec ce bruit du betché, quoi. Ouais, des fois dans le temps, j'allais travailler le matin, j'allais conduire les trains, et puis chaque fois que le train passait sur une aiguille, ça faisait tadam, et puis dans ma tête, ça faisait le bruit du betché, ta-ta-tam, ta-ram-tam-tam, tam-tam-tam, ta-ram-tam-tam. Ça faisait le bruit du betché, quoi.